Sur Instagram, en seconde, je voyais beaucoup de comptes contre la précarité menstruelle et dans les établissements qui mettaient des serviettes, donc des boîtes. Et je me suis dit que ça serait pas mal. Et il y a une terminale, en gros, qui avait commencé avant moi et qui avait juste mis une petite feuille avec des serviettes en disant « Servez-vous ». Et j'ai continué le mouvement en disant « Bah écoutez, je vais créer un compte sur Instagram où je vais dire aux gens de s'abonner, de mettre des serviettes et puis de temps en temps prendre des photos de la corbeille pour initier les gens à faire des collectes, voilà. » C'était une élève de seconde qui a commencé, donc c'était une corbeille qu'elle avait mise dans les toilettes. Puis après, elle avait continué son geste en première et en terminale. Et puis nous quatre, en entrant au CVL, on s'est dit que l'idée, elle pourrait être bonne, mais en la poussant plus loin, ça serait encore mieux. Ben, on a du coup commencé avec des étagères dans les toilettes, donc dans les différents bâtiments du lycée, pour que ce soit pas juste pour les générales, pour que ce soit pour tout le lycée, parce que le CVL c'est pour tout le monde, donc on a décidé aussi d'étendre cette action à tout le lycée. Et donc pour l'instant, c'est les élèves qui déposent, qui font des dons. Mais du coup, avec le financement de la région, ce sera plus au lycée ni aux élèves de faire des dons ou de payer. Donc ça va nous permettre bah, déjà que ce soit plus régulier, qu'il y en ait assez de toutes les sortes. Et puis normalement, ce sera des choses plus écologiques, plus bio. Enfin, ça va dépendre du choix qui va être fait, mais que ce soit bon pour nous et pour l'environnement. On a fait ça, on a fait du coup une semaine de l'hygiène dédiée à la précarité menstruelle au sein du lycée. Pendant 2 semaines, parce que du coup il y a des demi-groupes pour les secondes et premières, donc pour que tout le monde puisse en profiter. Donc sur 2 semaines, on a mis en place des boîtes à dons, donc du côté général et professionnel, afin que chacun en fait puisse déposer des protections hygiéniques de toutes sortes. On a mis en place donc 2 conférences, donc une le vendredi et une le jeudi, où on a fait venir des intervenantes donc du planning familial et une entrepreneuse sartoise donc qui a créé la Wake Up afin d'exposer aux élèves le problème qu'est la précarité menstruelle et leur montrer du coup des solutions plus économiques, plus écologiques avec notamment les cups pardon et les serviettes hygiéniques lavables. Donc voilà, donc on a eu quand même beaucoup de participation, donc c'était vraiment top. Bah justement, le but de la conférence était de qu'on puisse en parler librement et que les personnes y comprennent, que ce soit plus un tabou en fait. Donc oui, en parler, ça avait pour but d'enlever ce tabou-là. Et sinon, on a également mis en place du coup une photo. Enfin, on a accueilli tous les élèves au niveau du stade afin de faire une photo en drone. Donc, on leur a demandé de s'habiller en rouge. On a distribué des petites feuilles rouges à chacun afin de former en fait comme un utérus. Et du coup, avec la vue du drone, ça fait une photo plutôt sympa. Donc, on a eu près de 250 élèves. Donc, c'était énorme. C'était vraiment un super résultat. On voit que les gens vraiment se sont investis et se sont intéressés par la cause. Bah, on a eu quand même beaucoup de retours positifs. Les gens se sont beaucoup intéressés. Et après, dans le négatif, par exemple, quand on est passé dans les classes du côté professionnel, il y a certains qui ont rigolé, qui ont dit qu'en fait, ça les concernait pas eux. Et qu'en gros, il faudrait plutôt faire ça avec les préservatifs plutôt que les serviettes hygiéniques. Et voilà, on a quand même eu beaucoup de retours positifs. Après, justement, par rapport à ça, j'aimerais revenir sur les points positifs. Oui. Parce qu'en soi, lors de la photo qu'on a faite représentant l'utérus, on a eu énormément de repartages sur les réseaux sociaux. Et sur le Ouest-France, justement, on voit que notre publication par rapport à l'utérus, elle a fait plus de milliers de likes. Et donc on voit que bah, ça a touché les personnes, quoi. Puis même nous, parce qu'on était séparés en deux pour aller parler dans les classes, lorsqu'on a déposé une banderole pour prévenir de notre action, il y a eu des réactions positives. Donc il y a eu un surveillant qui était venu nous voir et il nous a dit que justement c'était quelque chose de super parce qu'il fallait en parler. Et donc c'est vrai que les réactions elles ont été mitigées parce que d'un côté on a eu du négatif et on a eu aussi énormément, positif, oui, beaucoup plus. Donc même à l'extérieur du lycée, il y a des personnes qui sont venues et qui nous ont donné des protections hygiéniques pour les mettre dans la boîte. C'est génial. Ouais, et donc c'est là qu'on voit que quand même ça a touché beaucoup de personnes. En fait, on aimerait que cette action, elle serve, pas d'exemple, mais qu'on se dise qu'en fait c'est possible de faire évoluer les mentalités et qu'au début ça partait vraiment d'une petite idée et qu'au final ça a touché la région. Et voilà, et on aimerait, enfin, oui.
on aimerait vraiment remercier tout le monde qui a participé. On a quand même été soutenus et voilà, et on aimerait vraiment faire changer les choses et que ça prenne plus d'ampleur pour que plus de lycées aient la possibilité d'en parler librement. Oui, du coup, comme on voit, même dans les publicités, parfois c'est encore tabou lorsqu'on représente le liquide par du bleu et tout. Mais aujourd'hui, on est dans une société qui doit changer. Et même là, comme dit Cléo, c'est un petit pas, mais on doit faire avancer la société et les mentalités. Donc je suis très fière de nous déjà. Et puis on voit que ça a suscité d'autres CVL qui sont rentrés en communication avec nous pour essayer de faire changer les choses dans leur lycée aussi. Donc on voit que ça s'est vraiment propagé, notre idée. Et puis même les CPE, les remercier, le proviseur, tout ça, parce que sans eux, rien n'aurait été possible. Même vous, de filmer tout ça, on ne s'y attendait pas, quoi. Donc comme dit notre slogan, faut changer les règles.